1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache... Voyez, il faut faire attention. Le besoin sexuel. Faire attention. Faire attention. Voyez, le désir sexuel, selon l'homme, est légitime. Mais attention, justement, de l'exercer hors des voies de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous me regardez et vous dites, « Oh, je ne suis pas concerné. » Mais toutes les nuits, vous êtes en train seul de vous masturber. Mais la masturbation est un péché. Certaines personnes disent non, mais je vous dis oui. Parce que la masturbation engage ton âme. Tu ne te masturbes pas en pensant au ciel ou à Jésus. Tu ne penses pas à Jésus, tu ne peux pas avoir de plaisir avec la masturbation. Non, tu peux, non. Quand tu te masturbes, tu ne penses pas à Jésus. Tu penses à quelqu'un que tu as repéré quelque part. La masturbation est satanique. Elle détruit. Et puis, laissez-moi aller plus loin. La masturbation fragilise plus tard ta relation sexuelle avec ton épouse. Pourquoi? Parce que tu as habitué toi-même à te donner du plaisir. Et tu as commencé toi-même à te toucher. Donc une personne d'autre qui te touche ne te touchera jamais comme tu t'es touché. Tu as affaibli justement ta relation. Et donc tu as ouvert une porte à la perversité. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Et on n'en parle pas à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. C'est votre anus qui intéresse votre mari. Et c'est dramatique. Écoutez-moi très bien, il faut que je vous dise que c'est satanique. Vous ne pouvez pas donner votre derrière là où on a mis pour déféquer. Et là où on défecte, c'est là où on... Non, c'est terrible. C'est terrible. Si donc tu le fais, tu es en train de récupérer toutes les odeurs de saleté pour faire sentir ta destinée. Ah non, que ce ne soit pas ta portion. Que ce ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Mais ouais, on peut se dire oui des expériences. Il y a des expériences qu'il ne faut pas faire. Si on va te mettre ton grand feu, tu vas faire l'expérience pour aller dedans. Et tu vas danser dans le feu. Il faut aller dans le feu. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que c'est une pratique qui s'est répandue? Je vais savoir vous dire la vérité. C'est parce que, mystiquement, il a été détecté que celui que tu prends par derrière, tu le contrôles. Et donc, les hommes ont commencé avec les femmes pour contrôler. L'homme ne doit pas dominer sur sa femme. Il est un leader. Dans l'Ancien Testament, il dominait. Mais dans le Nouveau Testament, il dirige. Il n'est pas un gourou sur sa femme. Donc, la femme a le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis, de donner son opinion. Sinon, vous êtes un gourou dans votre famille. Il faut en être délivré, sérieusement. D'accord? Et de deux, chaque corps a un rôle. Vous ne pouvez pas, justement, être là. Et puis, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu peux être normal et tu aimes ce qui sent mauvais? C'est pas possible. Non, mais vous savez pourquoi le diable a fait ça? Parce qu'il préparait les hommes à aller avec les hommes. Et après maintenant c'est pour dire on va adopter les enfants des autres. Vous n'avez qu'à faire les autres, hein? Amen, vous n'avez qu'à faire vos propres enfants. On va vous enfermer dans une chambre toute l'année. Faites votre enfant. Amen, n'allez pas adopter pour les autres. Attention, il faut sortir de ces pratiques perverses. Mes soeurs, sortez de ces pratiques. De sortir. Et le danger, c'est qu'on trouve des soeurs à l'église de nouveau. Et à cause d'un bien des banques, se retrouvent en train justement de se livrer à des païens. Ne comprenant pas que par cette alliance-là, ces femmes sont en train de s'assujettir. Si quelqu'un qui fait des pratiques mystiques va en rapport sexuel avec vous, il est incapable de puiser. Il peut puiser votre étoile. Il peut voler votre étoile. Vous voyez une femme, elle était rayonnante et après elle est fanée. Vous demandez, oui, parce que je ne sens pas, non, ce n'est pas une question de notion. Toi-même, tu sais où tu sors. Vous voyez, on a phagocyté ton étoile. On a pris ta destinée parce que tu allais jusqu'à donner ton derrière. Pour une chambre de 5 mètres carrés. Quand même, est-ce que ton Dieu est vivant ou pas? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Combien de personnes ont ruiné ainsi leur destinée? Combien? À la repentance, vous devez parler à Dieu en disant, « Oh Père, délivre-moi de toutes les connexions sataniques qui ont été engagées par les rapports sexuels. Délivre-moi de toutes ces choses. Transforme-moi totalement tous les liens qui me rattachent au passé, qu'ils soient brisés. » Au nom suprême de Jésus. Et ça, ça doit être conscient.